Ça bricole. Ça tripote les boutons. Je dirais qu'avec ce salade de riz, ça va être pas mal. Vous me prévenez ? Mais maman ! Vous me prévenez ? D'accord ! Bien reçu le signal ! Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs. Ouh, je viens de ramasser ce qu'il fallait dans les oreilles. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Sportaz, deuxième match en direct de cette fabuleuse journée. Et on continue d'installer là, on tripote, pour ne rien vous cacher, on continue un petit peu de toucher la nouvelle boîte de mixage. Écoutez, on a un matériel absolument extraordinaire qui est arrivé entre les deux matchs. Et nous installons au fur et à mesure, tandis que sur la pelouse, eh bien vous l'avez compris, c'est le protocole. Le protocole aux dents. 0 minute de jeu, 0 seconde de jeu. Et donc 0-0. C'est confirmé. C'est déjà une bonne chose, hein, parce qu'au niveau des équipes, nous n'avons pas eu, non, alors là, je tiens à le dire très fermement, nous n'avons pas eu la composition, nous avons été tenus un petit peu à l'écart de la part des autres médias, des autres journalistes professionnels. On ne nous transmet pas toutes les informations et malgré cela, nous continuerons à faire notre travail. L'information, ça coûte de plus en plus cher, d'où ce nouveau projet Radio Sportaz fait à la maison. Bien évidemment, hein, comme pour toute nouvelle aventure, nous attendons, les retours, nous attendons de savoir un petit peu où vous en êtes, êtes-vous loin de nous, à combien de secondes êtes-vous exactement, pour savoir si nous pouvons continuer ensemble. Certes, les statistiques sont encore relativement correctes, mais pas tout à fait, suivant l'approche Sportaz. Nous attendions 15 auditeurs internautes tout à l'heure, nous n'en avions eu que 7. 8 avec un pic à 8. 8, hein, un pic à 8, hein, oui, pas à confondre avec un pic à chou. C'est autre chose. Là, on se félicite déjà du match. Oui, oui, ça. Bravo pour ton boulot, Coco. Hein. Bravo. Alors, bravo, tiens, allez, mettez-vous là. Voilà, super entraîneur. Hein, non, super. Le président, c'est un pro du protocole. C'est un pro du protocole. Et bien, c'est une très bonne question. Ah, mais oui. Et bien évidemment, tu vois, il dirige un peu. Alors là, je... Oui, alors salut à toi, salut, oh, voilà, là, le banquier. C'est... Ah, je te connais, toi. Ah, mais c'est le bon vieux DJ Orkaef. Oui, derrière, oui. Yuri, mais... Ah, Yak, ah, bon, Yak. Yuri, t'es bon. Hein. Tu peux faire rire, Yak. La décomposition, recomposition avec Gigi Lacombe, l'entraîneur, bien sûr. Et tout de suite, excuse-moi, Jacques, de te couper. Corée, oui, je vois, oui, il y a Park. Effectivement, il y a Park. Park Corée. Kim Kum Park. Kim Kum Kam. Il y a Modeste qui joue. Modigliano, ouais, Bene, il y a des mecs. Hein. Bon, et sur l'image un petit peu large, Jean-Louis, si tu peux nous la ressortir, ça m'étonnerait, ça. Là, vu qu'on est parti pour le tirage de Paluche. Ouais. Mais Jean-Louis, avec un plan large, on s'apercevra que le stade n'est pas complètement plein, Jacques. Alors, est-ce que les supporters monégasques ne... Je pense qu'il y a quelques Parisiens qui sont bien pleins, à mon avis, parce qu'en général, effectivement, la réputation du Parisien est assez vraie. Dites-donc, c'est de la discrimination gratuite ce que vous faites. C'est pas gratuite, hein. Il y a eu quand même des soucis il n'y a pas si longtemps que ça, avec spécifiquement quand même, et depuis plusieurs années, certains COP, évidemment, pas l'essentiel des supporters du Paris, mais quand même, un peu comme en Italie ou ailleurs, il y a des clubs qui n'ont pas réussi à... Aïe. À épurer ta mère. Je le sentais venir. C'est pour ça que je dis aïe aïe aïe. Il me semblait bien qu'arrivait le fracas. Et ça continue. Hein. Alors, Jacques, première petite chose. Première main. La tenue des arbitres pour ce soir, c'est gala. C'est une publicité ou... Ouais, la poste. Visiblement, l'arbitre travaille à la poste. Donc, c'est monsieur Will Pognon. Ouais. Qui est assisté de monsieur, alors là, oui, oh, j'attends. Ouais, monsieur. J'attends des informations moi aussi, hein, comme on vous le disait. Calmez-vous. Ta gueule, eh, oh. Non mais dites donc qui c'est le journaliste professionnel. Non mais l'autre, calmez-vous. Mais attends. Merci Tchaki, toujours là. Vous qui n'y êtes pas pour grand chose, mais qui êtes pour un minimum. Ah, alors on avait le prince Charles tout à l'heure au rugby. Le comte offshore. Les deux princes consorts. Le comte offshore, c'était l'arbitre numéro 2 normalement, mais on veut bien l'appliquer
au jeune comte que je viens de voir dans les tribunes. Salement accompagné, je dois dire qu'il ne choisit pas vraiment ses amis, ce garçon. Mais c'est vrai qu'il avait un petit peu disparu de la circulation. Dès qu'il y a une crise, on nous le ressort, mais... Qui ça? El presidente de la Francia del bordel européen. Vraiment, regarde le balafré, Lucien le balafré. Ouais, Gigi Verone. Gigi Verone, dit le salopard de minuit. Le boucher de 14h aussi. Ça, c'était dans l'hémisphère sud. Excusez-nous. Excusez-nous, oui, c'est gala, mais écoutez, nous aussi, c'est régala. Oui. Avec Sportaz, il n'y a pas poteau. Ah, t'étais bien, Jacques. J'ai regardé les clichés, là. C'était bien. Pas mal. Ouh, il y a de la décoration sur la tête de ce joueur. C'est pas du dopage, ça, Jacques? C'est pas du dopage, un petit peu, ça, de ce... C'est à moi que vous parlez? Non, madame, c'est à Jacques. J'ai dit Jacques, alors. Commencez pas à me carrer. Hein. Bon, dans nos Zach. Zach et Jacques. C'est un peu... Ça sonne pareil. Jacques et Zach. Non, oui, enfin, pas tout à fait. Zach, il joue hier et Jacques, il joue avant. Alors, vous voyez, c'est pas du tout la même sauce. Vous pouvez pas mélanger entre Jacques... Et Zach, c'est pas du tout, il y a l'un qui est défenseur, l'autre qui est offensif. Alors voilà, bon, c'est comme ça que je les reconnais. Après, les autres difficultés, ça je comprends. Alors, merci. Il faut vous concentrer. Ah, nous sommes, je dois dire que nous sommes dans un état de concentration, madame, qui ne nous laisse aucune suspicion sur la chose. Le coiffeur, il fait la manche. Déjà, il commence. Regarde, monsieur, où est passé le pognon? Regarde, il cherche déjà derrière. Il y a plus de pognon, il y a quelques-uns qui se les remplissent, hein, les chapeaux. Il est tendu, l'arbitre. L'arbitre est tendu, tandis que monsieur Claude, lui. Arbitre grec, assisté encore à la rubrique portugais. Non, Jacques. On a vu monsieur Claude là, hein, par contre, qui est capitaine de cette équipe du Paris Saint-Germain. Monsieur Claude qui transmet ses amitiés à monsieur Ribéry. Je ne sais pour quelle raison particulière. Mais en tous les cas, il s'aime bien. On entend l'hymne du Paris Saint-Germain, non remixé. Hein. Accordons-nous, les gars. Il divague le grand horloger, je parie qu'il a plus toute sa tête. Alors, si vous le dites, monsieur, vous le connaissez mieux. Nous, on attend pour l'instant le compte à rebours juste avant le départ de c'est une finale, je vous le rappelle, c'est une vraie finale cette fois-ci. Oui, Monaco-Paris, finale de Coupe de France de foot. Qu'est-ce qu'il fait là, Serge Lama? Merci d'avoir coupé le son, Jacques. Laissez-moi un peu respirer, s'il vous plaît, madame. Poussez-vous, voyez pas que vous serrez, vous gênez, vous puez. Non, mais madame, sortez de là maintenant, quand même. Ah non! Alors, d'un côté, on a les comiques croupiers, hein, c'est ça, Jacques? Ou les toniques croupiers. Oui, hein, les Paris Comiques Junior. Et de l'autre, effectivement. Les One Again Monaco Show. Les Parisiens. Oui, c'est parti. Alors, comment ça, c'est parti? C'est parti avec Jean-Claude Parti. Philippe Parti. Ils sont tous, tous partis. Oh, Alex Parti. En but. Non, là-bas, c'était sur les autres chaînes en même temps. Il y a beaucoup de matchs en même temps. Est-ce que Canal+ on transmet aussi ce match pour faire la concurrence à France Télévisions? Vérifier. Mais que ce soit l'inverse. Pendant toute la journée. Canal Plus marquera donc à la culotte France 2. Chaque fois que France 2 retransmettra un match, Canal Plus le fera également. Alors que ici, nous tournons les pages parce que nous avons tellement de litiges derrière nous. On écoute. Nous sommes obligés. Tu devrais le savoir depuis le temps. Il me dit quelque chose, ce type-là. Il me semble avoir reconnu sa voix. C'est Papy Boynton juste avant l'attaque de Pearl Harbor. Attention, parce que là, nous allons atteindre la première minute de jeu, Jacques. Quoi, je suis fort? Je ne sais pas encore. Je me baisse. Je le vérifie plus tard avec une longue balle en profondeur. Ce ballon était sympa, très sympa, il freinait juste avant. Ouh, l'arbitre, ils le font courir là, non? C'est pour fatiguer l'arbitre, je pense, monsieur où est passé le pognon, qui apparemment récupère tout ce qui traîne. Je pense qu'il négocie avec les joueurs au fur et à mesure. Pas à la pièce, c'est vrai qu'en ce moment... 50€ le coup franc. 50€ le coup franc avec lui, ça peut aller très vite dans la partie. 250€ le pénalty. Il est assez tranquille. Oula, il y a des physiques très différents là. Il y a Parc d'un côté. Mini Parc même, on va dire. Maxi Parc. Maxi Parc, d'accord. Mais il n'est pas très grand, je veux dire. C'est un grand joueur, Jacques. Ah, pardon. Si, c'est un grand joueur. Il est grand ou il n'est pas grand? Non, c'est un petit grand joueur. C'est un gars qui a énormément de talent dans une taille assez limitée. Ce qui, effectivement, nous fait un grand joueur de par sa qualité. Deux équipes qui sont là pour sauver leur saison? Oh, alors, je ne sais pas ce que tu lis comme journal en ce moment, toi, mais là, je ne peux pas confirmer. Qu'est-ce qui leur est arrivé?
Ils ont eu des problèmes. Oh, ils ont un peu dans le truc mou, non? Ils sont pas trop en... Oh non, lui il est pas mou, il... regarde-moi ça. Oh là là, là, s'il court après madame comme ça le soir, quand elle va se coucher, je pense qu'elle n'a aucune chance de s'échapper, pardon. Princesse Monaco est là, oui, ouais, pas mal sais. Avec... J'essaie de me régler, qu'est-ce qu'on peut dire. Récupère une touche. Oh bah, bah, ouais, attends, on va trouver. On m'a foutu un organe comme ça. Ouh, qu'est-ce qu'il nous fait, lui, des doubles roulettes qui se coulent. Moi, il tente de feinter le ballon. Il se dit qu'en feintant le ballon, peut-être il y a une possibilité de feinter en même temps le joueur. C'est pas forcément bête. C'est pas gagné, quoi. C'est délirant. C'est un petit peu ça, madame. Mais ce stade vide, là, ce stade de France un peu vide, là, ça fait c'est peur. C'est bizarre, peu, ça. Hein. Pourquoi Paris ne fait pas recette recette du bourre-pif, mais... Ouais. Sinon, non, c'est assez curieux quand même, ces travées vides là, ça fait triste, ça fait pauvre, hein. Le tarif est cher, la plus crise est là, où est passé le pognon donc? Ah oui, l'argent du foot. Ça, les spectateurs monégasques, vous comprenez qu'ils ont autre chose à foutre qu'à venir monter à Paris voir un match avec des mecs en culotte courte, tu comprends? Et donc, comme monsieur le président. Quoi, les boules, les bagnoles, le pognon, et tout le reste. Bien sûr, la roulette. Il peut y en avoir une roulette, Jacques, dans le match. C'est vrai. Cette reprise de... Di Giuli. Le seul ami s'est couché. Yeah. Absolument. Et comme le président l'a dit, vous... Pute, c'est super ressemblant pas à ce truc-là. Ouais, c'est pas bon, là, je guise tout à l'heure. Excusez-moi, je ne vais être en antenne. Je voulais poser une vraie question, mais... Oui, vas-y, ben Jacques. Tu peux la poser à la cuisine. c'est vrai que t'es chez toi, tu fais ce que tu veux. On peut y aller, quoi. Oui. Je vais poser une question, là, au frigo, je la mets au frais. Alors, c'était... Attention, on a quoi? Attaque et la frappe. Pas mal. Siou-bit. Ouh, mais dis-moi, on regarde pas du tout ce match, nous, non, là, mais il y a de l'offensive, là. Il y a la pente qui tournait. Par contre, vous avez un strapontin, là, jeune homme. Il y a encore même un deuxième. Strapontin. Si vous voulez vous installer, vous pouvez. Ouais, nous avons de la place pour deux personnes et un chien. Donc, vous n'hésitez surtout pas. Si vous avez un animal de compagnie, nous pouvons vous accueillir pour vivre Spartan. Installez-vous, attention. Montpar. Ah, Montpar, pardon, Jacques. Mais c'est pas une publicité c'est Bompar. Non. Ou alors une eau minérale, mais sinon j'ai du mal. Non plus. Le ballon est relancé par les Monégasques. Bien frais dans cette partie. Ouh, le Monégasque est frais. Oui, qui récupère ce ballon. Ouh, mais c'est Paris qui a l'air de... Tonique croupier. Yeah, IC. Avec, ce qui c'est le croupier, oui, c'est le numéro 11, hein, le croupier 11. Croupier du Black Jack. Rouge, Black noir. Jack. Double paire est tombé, faute sur double paire. Et ce sera donc un coup franc pour les Monégasques. Un double paire, pour l'instant, un match nul. Alors que Monsieur Claude récalame lui aussi une mauvaise passe, on va voir ce qui s'est réellement passé. Oh, dis donc. Effectivement, on aurait dit la McLaren le week-end dernier avec tout qui dégomme. Yeah, oh, ça c'est du plan de chez plan, Jean-Louis. Jean-Louis a travaillé. Il a subi des critiques, de vertes critiques au cours du match de rugby cet après-midi, Jean-Louis. Sacré innovation. Il s'est fait taper sur les doigts et résultat des courses, regardez-moi cette retransmission. Paris à la contre-attaque avec Puisseguir. Ah non, il est dans l'autre côté. Merde. Non, et puis en puis c'est dur. Et puis c'est dur. Et puis c'est dur. Alors... Monacoil. Oui, Monacoil, parfaitement. Genre. Oui, c'est important avant l'été, le Monacoil. Oui, tu comprends le monoil, mais... mais ça ne fait rien, on peut continuer quand même. Je vais essayer donc de vous traduire Jacques au cours de ce match. Je pense que nous en serons là avec Melblut. Traduction antilope, ma sur France Télévisions. Mafut Erdling. Ah, et dégagement des joueurs monégasques dont je n'en connais pas un seul. Je ne vous le cacherai pas, je ne connais pas cette équipe. Oh, je sais pas, il y a peut-être Jacques Lafitte. Ouais. Tous les Monégasques, les Ménégas. Avec Jean-Pierre Jabouille qui fout la trouille et qui finalement ne récupérera pas ce ballon qui est dégagé par la défense parisienne. Chrono speed, c'est super speed. Cela dit, on se posait la question où est passé le pognon. Si les Monégasques. Qu'est-ce qu'il y a encore? La monnaie, Monégasque. Oui, la Monégasque. La Monégasque, oui, tu veux dire. C'est vraiment un match pour Canal, je comprends pas qu'il l'ait laissé passer. C'est vrai. Le ballon est superbement relancé. TSF, Télévision Sans Frontières, qui effectivement autorise et impose la diffusion d'un match d'une finale de Coupe de France sur une chaîne publique. D'accord. Je ne le redirai pas. Non, non, pour aujourd'hui, je crois que ça ira. Je ne connaissais pas TSF. Ce matin, 10h, je ne connaissais pas TSF et ce soir... Alors, c'est mon nouvel ami. Télévision Sans Frontières, c'est le schéma européen donc des droits de retransmission de télé. Oui, bien sûr. Bien sûr, France Télévisions n'était pas obligé de le prendre, mais elle a le droit d'abord, en premier, de le prendre.
Vous avez compris? Oui, oui, Jacques est à fond. Bientôt 7 minutes de jeu ici au Stade de France, vide, hein, qui sonne creux ce Stade de France. Notez, hein, la montre de France Télévisions est bien plus petite hein, que la montre de Canal+. Bon. Ah bon, on trouvait. Bon, 7-0-8-0-9-10-11. Oui. Attention avec Paris qui attaque, Paris avec Pilorget. Pilorget qui centre bien pour Babacar Mou qui ne peut récupérer ce ballon et finalement ce sont les Monégasques qui ont, excusez-moi, jeu des vieilles fiches. Je crois bien, ouais. Et oui, mais on n'a pas eu la composition des équipes, donc on ressort ce qu'on a, nous, les amis. Hein. On n'a pas tous les moyens encore mis à disposition. Ah non. Oh, oh là là, monsieur Claude, ouais, pris par un client. Makel Keke, un champion du monde, hein, tout de même en titre. Oui, il n'est pas là pour rigoler, mais... Oh ouais, là, mais champion du monde de balayage pour son vis-à-vis. Oui. Pourtant, il n'est pas douillé. Et c'est Melflute qui avait tenté de récupérer ce ballon, un ballon bien trop profond pour qu'il soit dangereux. Ouais, on voit son of a bitch. Pas de publicité, Jacques, s'il te plaît, ça n'est pas autorisé. D'autant que c'est un petit peu méchant pour ça tacle, pour sa mère. Voilà. Junior le balafré, vraiment le balafré, dit le tueur des surfaces. Didier Lacombe. Enfin, Lucien. Oups, oh la bonne petite balle, il n'y a pas de hors-jeu. Non, si côté reprendre. Gauche, il recentre, oh, peut-être Julie. Julie, non, il joue de l'autre côté, Jacques, Julie. mais c'est sa doublette. Eh oui, il vient trouver un remplaçant dans tous les sens du terme. Ouais, c'est Julie Junior. Si c'est pas Jumper, Julie Jumper. Bah, lui, c'est Parkinson. Ouais, non, il ne sonne pas du tout, Jacques. Non, c'est Park tout court. Pourtant, il bouge beaucoup. Alors attention à ce premier bon petit corner pour les Monégasques, c'est tiré. Oula, deuxième poteau, c'est pas mal fait, dommage. Ferme du portier. Ou alors que là-bas, ça s'est légèrement échauffé dans les balustrades et c'est bon, un bon centre, une bonne tête. Tête Park. Oh, tu vois qu'il est bon ce Park. Ah ouais, oui, il est bon, bien sûr, qu'il est très dangereux. Il a le sens du but. Oh, il a un timing extraordinaire, une détente fluide. Lou tempo. Ouh, putain. Mais j'ai l'impression que c'est le défenseur parisien, oui, puisque ça occasionne un second corner. Et c'est le peuple monégasque qui est en liesse. Oh, dégagea de nouveau du gardien parisien. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu en difficulté sur les coups de pied arrêtés là. Mais il est vide ce stade, regarde-moi ça. Il est pas vide, il est pas plein. Ah ouais. Mais il est grand. C'est la première fois que je le vois. Pas assez plein. C'est la première fois que je vois le Stade de France dans ces conditions. Alors regarde-moi ça, sur ces plans-là, Jean-Louis ne montre plus jamais ces plans-là. Regarde, on voit le vide. Montre juste le terrain d'en haut. De là, oui, Jean-Louis, voilà, ces plans-là. Merci Jean-Louis. C'est pas mal. Avec... Ouais, j'allais vous dire quelque chose, mais finalement j'ai bien fait d'être arrêté. Oui. On a vu un gardien dans l'âme. Oui, un gardien de tout. Hein. Du temple un petit peu aussi, d'esprit. Je pense qu'il se prend désormais pour le gardien. Le ballon est relancé par les Parisiens, mais trop mollement. Et finalement, j'ai l'impression que les Monégasques ont plus faim, Jacques, dans ce match. Je sens les joueurs de la Principauté, justement, avec des Principautés. Excusez-nous, une dernière averse qui nous arrive du Stadium de Toulouse. Après la victoire, hein, c'est une averse de champagne. Ouais, nous y fume. Oh. Et je ne sais pas si vous avez eu la coupure comme nous, mais là, nous avons une espèce de... stroboscope d'image, c'est-à-dire que nous avons eu l'image au début et à la fin. On aura un plan B sinon. Oh. Ouh, chargé là. Ah, il y va. Alors, je sais pas où on est passé là. Nous sommes où? Est-ce qu'on pourrait nous indiquer où on se trouve, s'il vous plaît? Le centre d'entraînement des cumulus de la météo nationale, crois, Jackie. D'accord. Et les précisions? Ah non, effectivement, je me retrouve donc au centre d'entraînement des... Pas des cumulus, comme vous l'avez dit, Jacques, mais des cumulonimbus. Ah. Mais c'était très bien vu de votre part. Effectivement, on s'entraîne à voir ce que fait un cumulonimbus quand cumulus, il ne vous envoie pas la purée. Quoi. Pardon, merci, Jackie. C'est l'heure, on sonne. Va ouvrir. Qui? Va ouvrir qui? Et le ballon est récupéré par les Parisiens, alors que les Monégasques avaient mis un petit peu le feu dans la défense des Dionysiens. Oh, c'est beau ce mot Dionysien. Oui, oh, c'est vrai, voilà, Dionysos. Ça sonne. 11 minutes 17, 0-0 entre les deux formations. Oh, et ce plan est terrible pour le public. Oh là 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 là, pour l'engouement populaire, ce plan est terrible. Oh non, c'est quand même assez c'est bizarre que cette partie-là, particulièrement, mais peut-être pas les autres, hein. On voit pas tout. On n'a pas été désinfecté, il y a peut-être un truc comme ça, je ne sais pas ce qui se passe, mais cette partie est effectivement évitée par le public, avec ostentation, dirais-je. Ouh, la mauvaise balle parisienne, on gaspille les ballons, on livre n'importe quoi, et les Monégasques sont heureux, les toniques croupiers sont en train de tenir la dragée haute en Parisien. Il y a du pognon, hein, de toute façon.
avec Black Jack. Oh, Black Jack le contrôle. Black Jack. C'est pas facile. Hein. Ça en fait beaucoup. C'est dommage, c'était pas mal vu de la part des Parisiens, mais cette fois-ci la balle est interceptée, même si M. Claude remet le pied dessus. Ouais, et c'est reparti pour. Paris, ouais, Latino. Avec mes flûtes. Melflute, le superbe petit travail sur le côté de mon centre, mais il a personne. Alors c'est dommage parce que là il avait carrément tout fait, il s'était ouvert la voie du centre, parfait, et il s'est déchiré. Vous cherchez du feu mon cher ami, mais là je suis dépassé. On entend quelque chose. On est venu à pied. Hein. Vous avez du feu chez vous, n'hésitez pas. Faites-nous le passer par mail. Ballon récupéré tranquillement par le Paris Saint-Germain qui a quand même du mal à mettre le pied dessus, c'est beaucoup de la tête. Certes. Voilà, là, monsieur Claude l'a fait. Mais de bonnes intentions de côté de ces deux équipes qui, là. Oui, c'est un match enlevé. Hein. On en a envie, on veut cette coupe. Ouais, c'est très. Boum, un petit tir dévié, ça peut toujours être mauvais, mais heureusement, c'est en dehors du cadre. Et tout va bien pour l'instant tire pour deux. La formation monégasque. Tir de. Armandino. C'est Armandino, absolument, Jacques. Vous avez bien raison de donner un petit peu d'air d'Amérique du Sud à ce match. Il y en a bien besoin, me semble-t-il. Ouais, ça y est, sauvé sur la ligne par la défense. Monégasque. Deuxième chance pour Paris, peut-être. Non, il y a une faute. Jean-Louis. Ralentis, Jean-Louis, vas-y à fond. C'était bien pourtant. Montre-nous tout, Jean-Louis. Dans haut, Jean-Louis, mais tu bosses à mort. C'est bien sauvé. De l'intérêt d'avoir un défenseur à côté du poteau. Ah, il le sauve, je sais pas de quoi, mais il le sauve parfaitement ce ballon. Joli coup, mon gars. Ouais. Puis Ségur. Non, je te montrerai lequel c'est si tu veux vraiment. Parce que là, non, Jacques et les joueurs, je peux vous dire que c'est une sacrée longue histoire. Le ballon récupéré par Monaco. Ouais. Monaco et. La grâce. Super grâce de Monaco. Oui. Aïe. Une herbe molle, hein, une herbe. Enfin, une herbe. Attention à ça. Jacques, je sens un but, moi aussi. Je sens un but, mes amis. Non, je sais pas pourquoi, mais je sens un but là dans les instants qui arrivent. Mais le ciel est bleu, Paris ou quoi ? Pardon ? J'ai léché les bleus ? Non. Qu'est-ce que vous dites ? Ça va pas. Non, mais vous êtes complètement allumé, non ? Le dégagement sera de la part du portier oui. Parisien, oui, qui est toujours en avant-centre, mais qui est tout seul et qui peut rien en faire, c'est terrible. On entend les encouragements de supporters pour Parc. Pour Parc, hein. C'est ce que je. On écoute un peu. Ouh là là, Tino. Tino Lacombe. Ah non, là, les supporters parisiens sont là. Ils répondent, bien évidemment, la frappe et le but. Oh non, je ne sais pas si c'est le parade du portier monégasque qui enlève cette balle. À Digioli. Oh, Jean-Louis, remontre-nous ça. Ah, il va falloir le passer, Pépère, là, parce qu'il est. Il est pas mauvais non plus. La belle frappe. Eh oui, c'est le portier qui la sort. On a failli avoir un but. Oh. Tant pis. C'est ça pour une autre fois. Excusez-moi, non, monsieur, vous êtes gentil, là, mais vous voyez pas qu'on est en plein match. Ça pue. Oui, ça pue. T'es pas ma voix. Non. Écoutez, je vous arrête de suite, hein, monsieur. Non, mais ça va aller, oui. Non, mais ce type est fou. Il y a juste un petit truc qui me trouble, Jacques. Regarde le portier monégasque. Sur un plan large, Jean-Louis, fais-moi un plan large. Sois large. Jean-Louis. Ouais. Tu vas voir, avec ce maillot vert, ce short vert, là encore, on va se retrouver dans une configuration de camouflage. Ouais, tu vois. Ouais. Et tu vas voir que sur les plans larges, c'est quand même encore plus flagrant. Jean-Louis, large, j'ai dit, pas le plan dessous. Le grand plan. Regarde, tu vois plus le gardien là, regarde. C'est vrai. Regarde-moi ça. On le voit un peu, mais on voit pas bien. On voit pas bien. C'est pas bon. Pas bien. Ballon repris par Monaco qui était. Oui, bah ça va. On s'accroche, d'accord. Mais attendez. Ah, oui. Ça, c'est de la fraîcheur. Ah, bah écoutez, ouais. On se désaltère, nous aussi, on a bien le droit de temps en temps. Hein. On se remet de cette demi-finale de Coupe d'Europe de rugby qui va nous amener au 22 mai. Oh là là, quelle date! Ah oui. Oh, quelle date énorme, dirais-je. Double date. Une double finale dans la journée. Deux matchs le 22. Et puis attends, c'est des finales de Coupe d'Europe à chaque fois, finalement. Puisque c'est la Champions League d'un côté et la finale de rugby de l'autre. Parfaitement. Oh, je me tripote d'avance. Rien que d'y penser. Le sport devient cohérent.
Non, il dit ça maintenant, mais vous auriez vu, il y a une heure, il était en train de les insulter pour savoir si c'était pas la même heure. Et c'est pas gagné. Bon, le ballon, oui, avec Prince, mes flûtes, Prince, mes flûtes. Prince, tout seul. Ouh, c'est mes flûtes, hein, Jacques. Hein. Mes flûtes, alors. Oui, c'est mes flûtes. Un petit jeune, Tahiti ouais. Pas tout à fait, non. Turquie, si tu veux, plutôt. Flûte, mes flûtes. D'accord. Et par contre, le portier. Monégasque est bien, hein. Je peux pas te mal, dire qu'il pas, est bien. Hein, ouais. Il va être difficile à battre ce soir. T'es pour qui, Jacques? Allez, t'es pour qui, dis-moi-le. Voilà. Mais comme d'habitude, vous le savez très bien que je suis pour le jeu et pas le moi-jeu. Ça m'apprendra à poser des questions à la con. Donc un hélicoptère passe juste au-dessus de notre cabine de commentateur. Et c'est assez surprenant, je dois le dire. J'ai retrouvé votre truc, hein, Jacques. J'ai retrouvé le matos, donc vous passez à la mi-temps. Hein. Ok. Que je ne garde pas tout ça chez moi pendant trop longtemps, merci. On a vu quand même un ex-grand joueur du Paris Saint-Germain qui est devenu entraîneur de ce même Paris Saint-Germain. Hein. Super combo. C'est vrai, carrément. Effectivement, tu peux nous raconter son parcours? Écoutez, il a été champion d'Europe. Mais très jeune, sur notre planète. Oui, mais de danse acrobatique, hein, il a été champion d'Europe, de danse acrobatique, Jacques. Il n'a pas précisé de quoi exactement. Mais ne faisait-il pas partie de cette finale de Coupe des Coupes d'Europe Paris Saint-Germain? Alors il est possible qu'il ait effectivement participé au gain du trophée, oui, ça je dois. Je me rappelle le match avec Madrid, le concernant un peu. Mais non, j'ai bien l'impression que toi non plus. Mais vous aurez l'occasion de retrouver cette archive. Oh, regarde si c'était beau ce qu'il faisait le monsieur, t'as vu? Il fait du vert. Ah, ouais. Il fait du vert. Il fait du vert. Je suis pas poète, mais bon. 29 minutes moins 10 plus 1, ça nous fait 29 moins 11, c'est exactement 18 minutes de jeu. You are here in Radio Sportas home, you know. Yes. You know. A new address, finalement. Oui, c'est une adresse, ce n'est plus une antenne. Nous sommes à l'adresse. Oui, oui, sportas.fr, bien sûr. Ouais. Et puis d'autres affaires qui arrivent. Pendant ce temps-là, sur la pelouse, les toniques croupiers continuent d'essayer de presser le Parisien un peu poltron sur le coup, mais rien. Rien. Pour l'instant, rien ne transparaît. Rien, pas vraiment. Bon, aussi, quand même une. Une petite action aussi, tout de même. Ouais, un tir cadré qui était bien. Qui fut bien dévié, oui. Ah, oui. Non, Jacques, c'est vrai, on est un peu méchant. C'est vrai qu'il se passe pas mal de choses quand même sur cette pelouse. Avec une montée parisienne, dommage, le ballon était en profondeur, parfaitement donné. Mais la récupération, oh là là, il s'est mis Toto Lacimont. Voilà, il a vraiment eu du mal à s'en sortir. Il est pris par. Un plus petit que lui. Cipognon. Oui, Cipognon l'a donné. Mais tranquille. Regarde. Sûr de lui. Alors sûr ou alors il s'est un peu. Oui. Hein, je sais pas. Sur le coup, j'ai un doute. Malgré le fait que soit un grand gardien, mais évidemment, vous savez la pression. Là. Ah, on me tape un courrier là, tiens. Oh non, c'est pas arrivé. Hein. Lettre par lettre, on écoute sport. Portaz, oui. Oh là là. Ben d'accord. Tout le monde est content du boulot. Pas de problème. Yes, tête. Oh, Park. Bien. Ah ouais. Grand joueur international, bien parfait. Sûr. Parfait. Demi-finaliste de la Coupe du Monde 2002. Ah bon? C'est lui? T'es sûr c'est lui? Bien sûr. T'inventes pas, hein, Non, mais je vais aller fouiller tes archives un peu là, parce que je me demande ce que tu bricoles en ce moment. Avec un bon petit ballon, justement, pour Park. Bien sûr, pour lui. Il est vif, il est entreprenant. Il se libère, il sait se démarquer. C'est un grand joueur, t'ai-je dit, en début de retransmission. Il le prouve. Cette musique, elle me transporte. Elle m'amène ailleurs. Loin des shorts et des fureurs. Loin du ballon rond et de la douleur. Cette musique qui a été composée par un. Merci. Merci Jackie, merci Jean-Louis, merci pour ce corner exceptionnellement mal tiré. Et qui permet aux Parisiens de se relancer. Oh là là, qu'est-ce qu'il lui a mis? Ah oui, mais il va prendre un carton. Il va prendre le carton, le first in the time, si, tu lui as mis le coup de coude dans la figure et tu l'as empêché de continuer son course. Ne râle pas, tu es le capitaine, tu dois montrer l'exemple. Oui, voilà. Eh oui, Fernando. Un ticket d'entrée pour aller aux zoo. Et c'est ici, il est pris, complètement pris, effectivement. Effectivement, avec son bras, il empêche, il lui met la glotte au niveau des oreilles et il l'empêche d'aller plus loin, ce qui... permet à son équipe de bénéficier d'un coup franc. Bon, ça, écoutez, ben, on a des bruits là maintenant. Vous avez été très courageux. Ah, bon. À qui le dites-vous, madame?
Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi, c'est pour la température du match ou quoi? C'est des encouragements. C'est des encouragements du public. Il y a un problème. Il y a un léger décalage avec le ballon récupéré cette fois-ci. Oh, mais c'est féroce pour la conquête du cuir, les amis. Bel engagement de la part de ces deux clubs. Absolument. Jean-Louis, est-ce que tu peux nous mettre quelques images de tes vacances, petit fil de famille. On peut là. Est-ce que tu as on a un peu de temps là, je pense, hein. avant qu'il y ait un premier but, on a vraiment un peu de. Non, Jean-Louis, reviens, c'est bon, blaguez quoi. Oh, alors c'est son Super 8 qui fait ce bruit, mais là c'est. Super 8. Oh là là, Jean-Louis, il y a la mécanique qui déconne un peu. Et cette mauvaise balle parisienne. Tu nous préviens, Jean-Louis. Ça aussi, là, non, Jacques, il faut quand même maintenant qu'ils apprennent à se faire des passes correctement. Je veux dire, ils s'entraînent combien de fois par jour pour être dignes de se donner le ballon dans des conditions correctes. Enfin, merde, et ce bruit derrière, C'est bon, ça va aller. Ballon relancé avec Blackjack. Blackjack, il y a un nouveau message. Vous avez une touche. Il la prend, et c'est pour lui. Grand bois caché. Moi, quand je sais qu'est-ce que c'est que ce joueur, je prends mes fiches, mais j'ai pas trop. En Monaco. Avec Puel. Puel qui récupère le ballon avec Thierry Henry maintenant, tandis que ce sont les Parisiens qui repartent avec Rocheteau. Rocheteau. Roche tout court. Tard aussi. Et Paris qui a du mal à trouver quelqu'un de démarqué, qui a du mal à organiser son jeu, à donner. Luis Fernandez. Oui. Ça continue, bâtonnet, bâtonnet. Ah, c'est bon ça, c'est joliment fait pour Juju qui récupère ce ballon avec Multeschun. Echter. Daniel Echter. Oh là là là. La centrée, pas plus. C'était une bonne récupération de Néné. Néné, regarde-moi ça. C'est Nono, oh là là, c'est le petit robot, l'ami d'Ulysse. Waouh. C'est extraordinaire, dis donc, ce qu'il a fait là. Très beau, très beau. Slalom de Nono. Oh, attention, c'est mal remise, cette balle un peu trop courte, dommage. C'est dommage de perdre le bénéfice. Mais tout le monde s'en sort bien. Hein, de cette belle action là, de ce déboulé magistral. Oui, cela dit, à Monaco, écoute, les bénéfices, pas tant besoin que ça. Arrêtez le pognon, mon dégasque, il est propre, il est aussi propre que le vôtre et le mien. Pas sûr. Non, d'ailleurs, je retire ma phrase. Ouais. Ça, tu l'as dit. Paris à la balle. Paris montait doucement maintenant dans le camp monégasque, venait de passer le virage de la Turbie et allait marquer un but en position de hors-jeu. Oh. Ce but, justement refusé, allait être le drame du Paris Saint-Germain. Ah bon, ça les déstabilise? Ils ne s'en remirent jamais. La joie fut si brève qu'ils en sont vers la prestation. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les grandes histoires de sport. Vous avez vraiment le nez fin, monsieur. Ballon monégasque sur la droite avec double paire qui attend un partenaire. Il le garde en Fulham, tout cas, le ballon. C'est maintenant Fulham qui met derrière, qui transmet à Blackjack avec Craps. C'est un coup franc pour Monaco, magnifique petit coup franc très sympathique. Bien placé. Ah, ça c'est très bon, Jacques. Mais Parc, pas le genre de joueur à provoquer la faute pour la faute. Ah non. Non, très courtois. Parce que là, s'il tombe, c'est que vraiment on le fait tomber. Il n'a pas inventé la chute, le type. Non, très bon. Prêt à s'élancer, c'est parti. Jean-Louis. Ces images, Jean-Louis, champion of the world. Oui, apparemment, c'est le gardien parisien, c'est l'ex-athlète d'Afrique du Sud, Caster, non, me dit-on. Il serait reconverti. Oh, les infos pourries. Caster, youp la boum. Oh, les infos sales qui est ça en ce moment, mais c'est vraiment. C'est dramatique. Attention, c'est un très bon coup franc pour Monaco et but. Non, mais on se souvient du scandale de cette championne du monde. Ça va, le but. Ça va aller. D'accord. Disons que si c'est dans le cadre, c'est cool. Mais c'est pas dans le cadre. Mais que si c'est dans le cadre, c'est. Oui, puis le gardien l'avait senti. Il l'avait senti passer, oui. Il l'avait senti. Tu crois que. Alors je vous rappelle l'information principale de cette journée, bien évidemment, c'est le 22 mai.
L'information principale du 1er mai, c'est le 22 mai, tandis que tout revient et rien ne retourne. Tandis que Jacques est en train de négocier fortement, maintenant je peux vous le dire ici, ça se passe, c'est terrible ce qui se passe en cabine, ça chivelu. Et le ballon est relancé par les Monégasques, bientôt une demi-heure de jeu, c'est passé tellement vite que je m'en suis même pas aperçu, et toujours 0-0. Oui, enfin vous avancez vite là, de votre côté, vous avez un peu d'avance, merci Jackie, on arrive. Hein. Non, mais moi c'est le décalage, hein. j'ai trois minutes. On arrive, Jackie. Ballon récupéré par Paris avec Pile-Orget. Pile, hein. Pile-Orget. Ouais, ah, il cherchait Jacques Chirac, mais ça fait un moment qu'il a arrêté. Pas aujourd'hui. Peut-être qu'il valait mieux d'ailleurs. Mais... même si son successeur ne crie pas. Hein. Nous fait succès. Maintenant dans les pieds des Parisiens qui récupèrent de plus en plus souvent maintenant le cuir. Ont-ils pris le pas sur le milieu monégasque? Nous allons le savoir dans quelques instants. Il aura la balle, oui, il la donne, magnifiquement fait. Beau, bien aidé par son partenaire qui monte. Paris à l'attaque, intérieur, Paris à l'assaut, goal, c'est beau, et ça, goal, bah, et pas goal. Ça mérite le goal, c'est pas fini, mais c'est pas avec fini, cette réparation. Sur le côté gauche, oh, là-bas. Il fait le coup. Oh, le centre petit, tranquille, mais c'est dégagé cette fois-ci par les monégasques. Oh, Kocha, magnifique. Ils ont eu chaud à la roulette. Monsieur n'est pas content. Visiblement, ça ne lui va pas du tout. Attends, c'est pas bon. Ah, le supporter, quand même. Ah, oui. Un jour, quelqu'un écrira quelque chose sur un supporter. Crira ou écrira? Et là, il l'avait bien fait. Il l'avait mis au ras du sol, croix arrêté derrière, merde. Nous le dîmes tout à l'heure, le portier monégasque est là, bien là. Quand tu, dis nous, quand tu dis nous le dîmes, tu le penses? Parce que... Le ballon est bien joué pour Monaco, oui, oui, ils mettent sous pression la défense parisienne en balançant des petits ballons dans le dos de celle-ci. Et avec Jules qui revient, lui aussi il choisit plus ou moins ses matchs, ouais. Parce qu'il est jamais aussi fort que quand il y a la télévision. Et ce sera un dégagement monégasque. Belle remarque, ça veut dire que vous le voyez quand il n'y a pas la télé là. Oui, je le regarde, oui. Moi aussi je le surveille ce salopard, le footballeur, amateur de pute. Non mais je vais vous l'apprendre, moi, vous allez voir. Du calme. Du calme. Ah, du calme. Ne m'excitez pas. Ah, attention, ce ballon récupéré par Nono, mais Nono l'a mis directement sorti de but. C'est vrai qu'à son époque, Alain prostitué. Et vroom. Ah, ça, c'est dans la boîte. Ça, il avait le manche en main, oui. Tu vois, nous sommes à la 30e minute. Jackie avait raison, on y a fini par y arriver. C'est cool. Ouais, c'est quand même fou comme ce gars. Tu n'y voyais rien. Comme ce gars connaît les choses de la vie. Ah, il a grandi. Il a grandi tout, oui. Attention à ce ballon parisien, mais les Parisiens sont dans leur moitié de terrain. Et donc c'est assez tranquille. Oui. Et les Monégasques se satisfont absolument de ces longs ballons balancés n'importe comment par les joueurs de la capitale. Qui joue plus ou moins à domicile, finalement, Jacques. Ouais, enfin, il y a quand même un désamour, hein, je crois, entre les deux. Oui. Et pour être précis, le domicile aurait été au Parc des Princes, hein, voyez-vous. C'est bien vrai. Ouais, mais non, ici. Putain, je suis obligé de faire le boulot des professionnels. Monaco, ok. Monaco. Ouais, Monaco. Dis-le à l'anglaise. Monaco. Monaco. Mon économique. Qui peut transmettre. Mais dans la souffrance, Paris se dégage. Pitoyablement, minablement, ouais. Misérablement. Mm. C'est une chienlit ce match. Non, il y a 0-0, mais enfin, il y a quand même un minimum de spectacle, d'engagement, et puis de respect de l'adversaire et du jeu. Ouais, hein, de l'esprit du jeu. Tony Lagomme. 44 meurtres de joueurs durant sa carrière. La balafre qui fait peur. Ouais, c'est sûr. Oh putain. On a vu ça, il fait la tête en même temps que son joueur, et si tu la loupes, lui, il te loupera pas. Attention, est-ce que les Monégasques peuvent prendre ce ballon aussi long? Si long, c'est un ballon de but. Oui, vous en avez rêvé. Oui, ben j'essaye d'emballer un petit peu, voyez-vous, le contenu, hein, parce que le contenant n'est pas si mal, mais attention quand même, attention, c'est un ballon récupéré. Parc n'a pas pu récupérer ce ballon, hein, qui lui était destiné au centre des 22 mètres. Oui, l'intervention les de 18, monsieur... même, parce que le 22, c'était tout à l'heure. Intervention de monsieur, où est passé le pognon? Non. Qui lui est amateur de papillons nocturnes. Ah. Oui, de papillons d'accord. De nuit, qui a une véritable collection de papillons de nuit chez lui et qui l'invite régulièrement à venir visiter. Tandis que là, on a effectivement, on a reçu la collation
Et ce sera un ballon relancé par Monaco, comme dirait Jacques. Monaco. Monaco, no Mick. Même en anglaise, Monaco, c'est Monaco. Hein. Yes, man. Well, cool. Ouais. Oh, ah, lui, c'est ça, quand même son coiffeur. Là, il fait une pub à son coiffeur, c'est extraordinaire. Son coiffeur est champion du monde, il a une étoile ou quoi? Ah, j'ai bien l'impression. Ah, attention, ouais. ce ballon, quelle chance! C'est peut-être coupé, alors. C'était chaud. C'était vraiment très chaud, allez-y, roulez, les avants de Bayonne. 0-0, plus 0 égale 0, et malgré tout, 32 minutes et 0 secondes, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 C'est ça qui est quand même fou, Exporta, si tu ne sens pas passer les matchs, Jacques. 7 secondes. Je me souviens de ces deux années passées sans commentaire. Que c'était long. Et le ballon est aussi long pratiquement que le corner tiré pourri de la part des joueurs parisiens qui gaspillent des munitions à gogo. Oui. 36 ans, un joueur qui fait 2 mètres quand même dans la surface de réparation. C'est bien de ne pas mettre le ballon au troisième poteau parce que. Ça fait 3 mètres. Je fais le calcul moi-même, je sors la règle. Et là, on s'amuse énormément dans cette tribune. Regardez-moi cette ambiance dans la tribune officielle avec Jackie Chan qui vient de dégager en touche. Tandis qu'on essaye de me brouiller, je résisterai le plus longtemps possible, je serai digne. Je ne dirai pas de gros mots. C'est bien, Jackie. Ballon dans les pieds des toniques croupiers qui vont tenter de relancer avec Puguesur. Qui retransmet gentiment la balle à Pépère. Pépère qui la perd. C'est Paris qui repart. Avec Cochard. Pépignon. Tire. Non, non. Il est assez curieux dans son comportement face au but. Il a des jambes trop grandes par rapport à son cerveau. C'est un peu délicat pour lui de coordonner tout ça. Et donc, c'est effectivement assez embêtant. Par contre, si tu lui mets la balle sur la tête, là, il faut t'attendre à quelque chose de particulier. Vous écoutez les programmes de Radio Sportaz. Ah, je me sens plus. 33, 37, 38 pour ceux qui essaient de se caler, bien évidemment, entre le son et l'image. Il se peut qu'il y ait un petit chambardement dans vos méninges. Hein, c'est-à-dire que l'ouïe entendant plus vite que la vue voit, ça peut vous procurer quelques décalages. Donc méfiez-vous quand même. On vous laisse faire au mieux avec vous-même. Ah, oui. Essayez d'arrêter votre cerveau pendant 20 secondes. Allez, centre-moi ça, c'est pas mal. Non. Il y avait une déviation de la tête. Une déviation. Monsieur. Bon, ça va. Hein. Tahiti Man. Ah. Avec Park. Oui, il est passé Park, s'il peut le faire. Il va tirer. Il est tout seul. Non, il centre en retrait, il est bon ce Park. Ah, toujours l'abnégation, l'altruisme, le partenaire d'abord avant moi. C'est magnifique d'avoir des joueurs comme ça dans son équipe. Ah, l'esprit asiatique collectif. Regarde-le de suite, il cherche qui arrive, qui met Trottin, il est tellement rapide que ses coéquipiers ont du mal à le suivre. Bonne défense parisienne tout de même. Ouais, cette chevelure, c'est un acteur de cinéma, ce n'est pas un footballeur, c'est un acteur. On vous sert, on s'occupe de vous. À domicile. Mais n'oubliez pas, bien évidemment, les amis, n'oubliez pas les vieux. N'oubliez pas les anciens qui vous ont toujours soutenu, qui ont toujours été avec vous. Merci. L'hostie, on me donne l'hostie. Allez, c'est 10 francs. C'est 10 francs là, le coup franc. Et 10 minutes à jouer dans cette première période. Toujours 0-0 entre les deux formations. Ouais, mais je suis étonné d'ailleurs. Je suis étonné qu'on n'appelle pas le coup euro plutôt que le coup franc maintenant. Jacques, tu peux poser la question, mais à mon avis, ça coûtera très cher d'avoir la réponse. Je ne sais même pas ce qui s'est passé en l'an 2000, si ce n'est que la vie est devenue chère d'un seul coup. Très cher. Oh, c'est terrible. Ah, je me souviendrai toujours de ce passage à l'euro. J'avais du pognon, puis après... Oh, magnifique balayage à part de M. Claude, mais celui-ci ne tombe pas, il se relève. Les Monégasques avec moult chouds repartent à l'attaque. Ah, tant bien qu'ils peuvent, pourrais-je dire. Alors c'est marrant parce qu'on dirait une fin de match, tu vois, là on est quand même qu'à la fin de la première mi-temps, mais on dirait une fin de match. Les équipes sont coupées en deux, ça joue en contre-attaque. C'est vrai. C'est assez curieux finalement comme physionomie. Peut-être le match est joué à l'envers. Ah, c'est possible. Ah non, c'est à Paris. Ah oui, mais il y aurait déjà les scores. On serait parti de 2-0, 3-1, un truc comme ça. Et puis ça va peut-être finir à 0-0. Ah, ouh, ça c'est pas mal. Non, putain, histoire de foot de merde. Alors la balle, la frappe. C'est une histoire de foot. Ah oui, ça. Ah, ce jeu est pourri, de toute façon, il est tout pourri. Je me demande comment ça peut marcher, un truc comme ça. Ça ne marchera jamais. Vous voulez dire, ça pour la Coupe du Monde, vous êtes inquiet pour cette équipe de France en bleu, mais qui va avoir mal. Non, les bobos vont arriver dès le premier jour.
Et on revoit cette frappe lointaine, pas tout à fait précise, mais quand même, qui mérite son petit regard. Ouais, quand... Ouh, j'ai vu un petit panneau là des supporters parisiens, Brigade de Paris, je crois. Ça me rassure pas sur le supportorat. Si je puis dire. Ah, pourquoi? Écoute, tu peux dire ce que tu veux, tu es chez toi. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va te reprocher? Le ballon dégagé par les Parisiens, un peu en souffrance. Ce sera une touche pour les Monégasques dans la moitié de terrain des joueurs de la capitale. Et il faudrait maintenant peut-être accélérer le mouvement, oui, messieurs. Oui, c'est un petit peu de la soucoupe de France, un les peu. Les toniques croupiers, là, il faudrait faire quelque chose avec un ballon récupéré par la roulette. Le centre des vis, là, hein, n'empêche. Ah, bien fait. Toto la roulette avec Pépignon qui met derrière pour le Paris Saint-Germain. Pépignon qui fait son boulot ce soir, lui aussi. Quand il y a les caméras, il est généralement pas trop mauvais, quoi. Eh oui, alors, je vous l'avais dit, madame, la saucisse est dégueulasse, mais il me reste un peu de merguez. Et nous aussi, avec les caméras, on est meilleurs ou pas? Pourquoi? Il y a des... T'attends quelqu'un? tu joues dans un film, tu fais un truc, il y a... Oh là là, ici il y a des mains qui arrivent de tout, de partout, ici, ça sort de dessous les meubles et tout, c'est assez surprenant. Le ballon récupéré par les Monégasques, va-t-il frapper? Non, il prend pas le risque quand même, parce qu'il est d'abord lointain, et puis en plus il est pas sur son bon pied. So what? Il repart. Oh là, il repart, il se fait mettre minable, il obtient le coup franc, mais il a de la chance un petit peu sur le coup, parce qu'il était mal embarqué dans son affaire. Lui. Et gagner un coup franc là-dessus, il s'en sort pas si mal. Qu'est-ce que vous dites, vous, là? Des sons bizarres. Essayent de passer, là. Des gens essayent de passer. Faire attention quand même, hein. Ouh, bah, beau plan, moi j'aime bien. Essayent de passer sur la bande passante. Ouais. Attention. Voilà, pour les 3 points. Oui. Pénalité non, au-dessus. C'est normal parce que ce sont les Monégasques qui avaient repris ce ballon. Et dans le domaine aérien, les Monégasques me semblent mieux que leurs adversaires du soir. Moins de 10 minutes à jouer dans cette première période. Aimez-vous les uns les autres. J'ai qui vous fait fuir le public avec vos conneries. Je suis pas le nez, je sais pas ce que je rappelle que nous sommes toujours en phase de fabrication, bien évidemment, des programmes qui vous seront diffusés pour la Coupe du Monde de football 2010. Radio Sportaz in live, direct. Ah oui, là vous Thanks. Êtes dans les cousines, voire dans la coulisse. Et en fait, il s'agit d'articuler un tout petit peu mieux. Ah, c'était pas mal du tout. Vous savez qui était cette voix? Merci, vous l'avez eu. Merci. Non, rien du tout. Bravo, les gars. Coupé. Attention, coup franc pour les Parisiens qui ont là l'occasion de s'approcher du but. Avec lui, avec sa tête. Avec Géant, oui, c'est Gulliver qui est dans la surface de réparation pour les Parisiens. Tahiti Mano Haro. Oui. Bien sûr. Non, mais ça, je ne te le conteste pas, Jacques. Ah, tout de même. Bien. Meilleur buteur de Ligue 2 quand il fut recruté à l'époque au Paris Saint-Germain. Bon, mais dis donc, mais alors. Non, mais là, je ne connais pas tout, mais non, tout de même. Mais là, quand même, là, ça commence à me stupéfaire. Ah, écoute, aussi. Là, ballon, avec une bonne occasion encore. Oui, mais sortie magistrale, lui, portier. Ah, là, le portier. Ah, le portier du casino, c'est s'y connaît. Pas le laisser passer comme ça, hein. Avec Roulette qui remet derrière pour le portier, qui Black. Contrôle le ballon. il le savate. Et là, tiens, dégage. Ah, mais ouais. Ouais, c'est pas bon ça. On entend même les briquets qui s'allument ici tellement le son est de qualité. Nous avons même le son du feu et ça c'est extraordinaire. Oui, j'ai raison monsieur. Absolument. Tout le monde entend tout. Oui, mais tout le monde veut parler en même temps. Laissez-moi ma place un petit peu, madame. Cinq minutes dans cette première période pour marquer un but. Un bouclier fiscal pour le premier qui marque. Oh, un bouclier fiscal personnalisé avec garantie sur les niches salopes. Fiscal, pardon, excusez-moi, je n'arrive plus à trouver mes mots. Confond hein, tout un peu. Jackie, merci. Merci Jackie. Alors ça, Jacques qui remercie Jackie, c'est aussi un grand moment. On peut pas être partout. Radio Sportaz, je me sens plus. Le ballon est remonté par les Parisiens aux abords de la surface. Vas-y, avec Pilorger, goal. Oh là 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 là. Il s'est bien retourné. Il s'était bien mis mes flûtes alors. Mes flûtes. C'est soit Didier Orcaef. Oh non, Jacques, non. Youri, goal. Vous le dites tout à l'heure. Chrono speed, est-ce que quelqu'un a une clé de 8? Bien joué, tu les as endormis. Mais tu parles, je les ai endormis. J'ai un tournevis, Jackie, si ça vous intéresse, mais une clé de 8, j'ai pas. J'ai pas du tout, là.
dégagé par Truffier le portier, donc hein, on a récupéré le nom Truffier, le portier de Monaco, de Monaco comme dirait Jacques. Et c'est pas facile. Le ballon être Jacques, non, c'est pas facile. Ah non, le ballon dans les pieds des coniques Truffier. On est au centre du terrain, on va passer dans le camp. Ouais. Parisien, on prolonge pour Parc, mais... Oh là 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 là, non mais... Non. Ou alors c'est le public qui est parti avant le début du match. Hein. Le stade était plein au début et en fait le public... On voit le stade se vider au fur et à mesure pendant ce match, tellement celui-ci est tout pourri. Merci monsieur, merci. Dommage, milieu de terrain, Monégasque, c'est qui fait du bon boulot. L'arbitre aussi, hein, monsieur, Passé Pognon, qui non seulement est amateur de papillons de nuit, je dois le dire à Jacques, mais il y a aussi également une superbe collection d'espadrilles. Il est absolument, c'est un homme qui aime particulièrement la corde. C'est vrai, comme Ginov, il aime la pêche au gros aussi. On ne sait pas bien celle-là. Non, merci. Le ballon, allez, la donne sur la gauche, il l'avait vu, il l'a pas vu, c'est bien dommage, il y va, il goal, hop, goal. Oh, quelle parade du portier, en foutre. C'était Casper, youp la boum, loupe le tir même. C'était Casper, tu dis? Un truc comme ça. C'est caché, voilà, c'est ici, ouais. Ça, ici je vous dirais qu'il se passe des choses absolument regrettables. Le ballon bien sorti par Armandino qui a coupé la trajectoire et qui donne à Pépignon. Et Pépignon il ramasse. Hein. Il en distribue mais il ramasse aussi Pépignon ce soir. Il a beaucoup le ballon. Ouais. Il a vraiment pas un physique de footballeur ce garçon. Avec ses bras hyper musclés. Et là on revoit l'action Casper, folle. Regarde-le, lui il est passé partout, par ici, il passera par là et là. Oh quelle parade. Belle parade. Même si l'angle était fermé, il fallait quand même la sortir. Où il y avait vraiment une occasion large pour les deux équipes là, en quelques minutes. On a envie de marquer la fin de mi-temps. Et il nous a montré son épilation totale quand même. Et ça, c'est assez sympathique de la part de ces joueurs qui n'hésitent plus, vous voyez, à montrer le torse. L'épilation aussi, c'est ce qu'on attend juste là pour les dernières secondes de cette première mi-temps. On est à 43 et 44 secondes, 45, 46, 47, 48, 49. 50. Ouais, ouais. À fond. Voilà. Avec Monaco qui remonte ce ballon là-bas, sur la corniche. Oh, oui. Bien. La corniche, oui. Passe le tunnel. Oui. La turbie maintenant. Hein. Devant le casino. Ah, oui, c'est bon ce qui se passe là sur la pelouse. Et non, intervention de Monsieur Claude qui est obligé de faire la police devant sa défense. Un problème à Louis. Non, c'est plutôt. Non, ça se sait, hein. Un problème. Où ça? À Louis de Monaco. Le prince Jean-Louis, t'as deux secondes, tu nous feras un petit plan sur le prince, voir comment il va. Il est toujours là. Hein, le prince, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, le fameux comte offshore. Offshore. Qui braque à temps avant de se ranger. Oh, quelle mauvaise balle. Et oui, il a raison d'arriver, Tony, la con, Miguel. Je te crève. Super combo. Et oui, super combo. Regarde, Tony, là. Regarde, Tony. Putain, je te crève. Le prochain qui perd la balle, la rentrée au vestiaire va être chahutée. Va se faire menotter. Dans les vestiaires. Ah non, mais c'est Tony, là-bas, là. Après, c'est la mi-temps. Regardez-moi, c'est l'arbitre. Il faut même pas une seconde de truc. Tout le monde s'emmerde. Regardez, les gens se lèvent. Allez, on s'en va au revoir. Je ne finis pas ce match. Je vous annonce que j'arrête ce match, on a le droit, on fait ce qu'on veut, on est chez nous. Père et fils, Djorkaeff, hein, magnifique image de deux grands joueurs tout de même. 45 minutes de jeu, 0-0, c'est une finale, il faudrait pas que ça tourne à la prolongation, tir au but, même si ça peut être sympathique. Hein. Ils sont trompés de sponsor pour le foot, ils ont mis Lacoste, en plus c'est pas le bon logo. Ça c'est envoyé. Pas une chaussette qu'on met sur un pied. Ah non. Et on la met où alors? Radio Sportaz, qui s'en lasse? C'est vraiment la table la plus con que j'ai jamais vue. Eh bien, nous allons marquer une petite pause dans ce commentaire sportif. Ah oui, une question alors, est-ce que vous avez eu vent de ce qui s'est réellement passé ce soir? Moi c'est Michael Keke d'abord, tu pourrais me parler un peu normalement, je suis champion du monde, j'ai quand même fait une carrière, et à un moment donné j'attends un petit peu plus. T'es journaliste, normalement tu connais ton boulot, c'est un moment que je te croise en plus dans les colons, je t'avais repéré. Hein.
Et pourquoi vous jouez avec un col roulé? Pourquoi vous avez toujours un col roulé? Vous avez froid? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez mal à la gorge? Qu'est-ce que tiens? Vous êtes aux putes vous aussi? Oui, c'est vrai que les putes en ce moment, c'est à la mode. Alors c'est vrai, on avait proposé il y a longtemps, mais bon, j'avais résisté. Mais là en ce moment, putain, ça bourrine et on y va. Merci. Remix. C'est génial. Eh bien, nous allons prendre quelques instants de répit. Oui, nous allons voir s'il en reste. Je crois que oui. On y va.